Soyons très clairs, désormais, à chaque sortie de nouvelles machines, ou d'appareils de nouvelles technologies, ou voire même des baskets ou des trucs un petit peu à la mode et un peu tendance, les scalpers débarquent, c'est-à-dire des gens qui ont des petits outils informatiques, des bots, etc. Ils se mettent à plusieurs, poc poc poc, ils récupèrent un max de trucs, ensuite ils les mettent sur des eBay et compagnie, mais en faisant exploser les prix. Je trouve ça extraordinairement détestable. Eh bien, ils sont de retour. Mais oui, puisque avec l'annonce de Valve, eBay a été pris d'assaut par des gens, regardez, Kotaku a listé un petit peu, qui mettent en vente, eh bien, leur bon de précommande. Puisque vous le savez, la machine n'est toujours pas commercialisée. Ce ne sera pas avant décembre 2021. Et vous le voyez un petit peu dans ce qui passe. Vous avez du 800$, mais vous avez jusqu'à 2500$. Vous l'avez vu, hein, la meilleure offre. Alors, évidemment, vous savez ce que je pense de cette situation. Déjà, un, attention. Parce que rien n'indique qu'ils ont réellement les précommandes, et que ce sont des précommandes pour le premier assort de machines. Deux, bah, quand on cède à ce genre de choses, en fait, on fait le jeu des scalpers, on leur donne de la force, et de l'argent, évidemment, et globalement, ce genre de pratique qui détourne des machines, des appareils, des objets, des vrais consommateurs, des vrais joueurs, et font artificiellement monter les prix, je trouve ça absolument détestable. Eh bien, eBay a contre-attaqué. Et eBay, eh bien, ils ont tout simplement, là, il y a quelques minutes à peine, supprimé une tonne de ces annonces. Et je m'en réjouis, tout simplement parce que ça contrevient aux normes de eBay, puisque là, ce ne sont pas des appareils qui sont commercialisés encore. Non, ce ne sont que des précommandes. Et donc, allez, bye bye. Alors, Valve avait déjà pris des sortes de petites mesures pour essayer d'endiguer tout cela. Déjà, il fallait que son compte Steam ait effectué des achats avant juin 2021, ce qui aurait pu limiter un peu. Ensuite, il fallait faire un dépôt, mais de 4$, de 4€, parce que moi, j'ai précommandé la mienne, hein, donc j'ai bien vu comment ça fonctionnait. Eh bien, écoutez, les scalpers, je ne pleurerai pas une seconde sur votre sort dans cette situation.